Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. 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 Bonsoir à la diaspora. Donc vous êtes connectés. One Man Show ce soir, PSTV, KI TV. Nous sommes bien live ce soir. Le soir, nous sommes bien live avec notre nouvelle chronique, dernière chronique de la semaine. Nous sommes mardi. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show, on partage le show. Kabeno Kouyi, Ben Kabou, la match, me béba. On va bientôt commencer le temps de régler quelques petites choses ici. Dernier détail, vous savez, quand on fait des lives, vous êtes sur jamais, One Man Show. Parfait comme on le veut. Donc en attendant les gens, avant de mettre le chronomètre, on partage le show. Bien sûr, je vais mettre le titre de ce soir. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà inscrit sur l'énoncé.
mais nous allons le faire quand même défiler comme d'habitude. Vous êtes sur One Man Show. Donc on partage le show. Rappelez-nous, connectez-vous. Donc ce soir au programme, ce soir au programme. Donc chronique du net, actualité. Actualité domestique, bien sûr. Il dérive d'un pouvoir complexé. Connectez-vous. Sujet de ce soir. It's going down, people, let's go. On partage le show. Let's go, people, let's go. It's going down. Chronique du net, actualité. One man show. Comme vous le savez, nous allons pouvoir surveiller l'actualité. Nous sommes là à dénoncer les dérives. Bien sûr, c'est l'actualité hebdomadaire. Vous savez que. One man show. Primitif, donc Bamoutan, Jumukuyu. Connectez-vous. Sariam Bemba. Toujours l'habitude de faire des choses là-bas. Donc on doit surveiller parce que nous on reste debout. Hein? On reste debout. Sur One Man Show. 92% des Congolais est pris de justice. On partage le show, les gens, on partage le show. Avant de mettre le chronomètre. 92% des Congolais est pris de justice. Connectez-vous. 92% des Congolais est pris de justice. On reste debout, les gens, on reste debout. On va dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Vous êtes sur One Man Show. Véro le Bembe sur la place, merci de participer, les gars. Chrysogone, Diangana est sur la place. Sur One Man Show. On partage le show, les gens. Mounia Maman. Connectez-vous. Nicolas. Aïssi Sam est sur la place. Robert Célestin. Maman Zoé, dis-tu quoi. One Man Show. Francis est sur la place. Connectez-vous. Bernard Pongi from Toronto, baby, Cardel Lionel est sur la place. Lodel. Christian Noah. Vous êtes sur Sabinel. One Man Show. Roll Bende sur la place, Serge. Connectez-vous. Serge Roger Otsiki, bonsoir à toi. Bienvenue sur One Man Show. Lila Tibur, she's in a house. Lucien, on partage le show, les gens. Kabeno Kouyiri, Kabeno Ben Kaboula. Ah, n'a côté secteur. Mambou Mebe, Samoukou Nivo. Chronique du net, actualité, les gens. Nous allons mettre le chronomètre à 7 minutes, les gens. Nous allons pas tarder. Connectez-vous. 5 minutes. Going down, people, let's go. Donc, Brazzaville, Nikalou, Poto, Wente, la Tcheme. Vino, mon coboye, vite, au côté, va cette gueule. Ah ouais, t'es au panzandeke. Ah ouais. Donc, Mikalou, Mote, la Bino, Bandeko. Somme, Tokos, na Tokos. T'es au panza. Bania pointe noire, ben monsieur Zaba. Ah, me kota, donc me kwe manis bakariam pemba. Yakna talabet ve. Bakariam pemba, bet ki manis ya boubé aïe. Donc, comme d'habitude, les gens, vous êtes sur One Man Show. Que une dame, people, nous sommes à 4 minutes, on partage le show. Bakanji. Oh là là. Ah, bokota. Bino mokoye bizalo, kezama solo. Dans ma solo, chronique du net, actualité domestique, les gens. On partage le show. Connectez-vous. Jean-Célestin, bonsoir. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Ah, bonsoir, Serzo Diki, bonsoir. Nous sommes à 3 minutes. Balabaya, y'a comment vous la nimotez, non, donc ni Milolo, la favela. Vous êtes sur One Man Show. Dis-tu quoi. Donc on partage, faites comme moi, Bofina Mosapiwana, Moyo Gasoni, Teza Marsolo. Donc ce soir, le micro est ouvert pour toutes sortes d'indignations, notamment la Tiash Live aussi. Chacun peut s'indigner. Vous êtes sur One Man Show. Ici, c'est la thérapie. Donc c'est la guillotine ici. Le Katakababitu, 92% des Congolais est pris de justice. Nous sommes ici, on reste pour les gens. Comme d'habitude, vous savez, ici, on sème l'amour. Hein. On reçoit les cœurs, les gens, on reçoit les cœurs.
Olingo, Bolingo, reçois les cœurs. It's going down, people, it's going down. 92% des Congolais pris de justice. On reste debout, on reste debout. On partage le show, les gens. Kabeno Kouyiri, Ben Kaboula, Bok Kaboula. Moi, je suis un peu plus grand que toi. Je suis un peu plus grand que toi. Je suis un peu plus grand que toi. Connectez-vous. Sois Kabisoté. Donc, ici, là, cherchez les Congolais. Hein? Parlons peu, parlons vrai, parlons bien. Il n'y a pas de tribal. Donc, si tu es tribal, hein? Faut partir, faut partir. Connectez-vous. Ah oui. Je vous dis déjà, je vous dis déjà. Ici, on salit bien Tobimissio. Salut ma bébé Tobimissio. Bisous Tobimissaka. C'est la clôture ici. Katarabito. Qu'on partage du show chronique d'une actualité, les gens. Connectez-vous. Ce que je dis, nous sommes à 2 minutes. Let's go. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. On partage le show. Rappelle-nous qu'il y a les Ben Kaboula, Ben Kaboula. Non, mais Pépa. Ah. Yiria. Vous êtes sur One Man Show. Ça y est, Nimbo Tezak. Connectez-vous. Nous sommes à 1 minute 41. Ah, Kabeno, recevez les cœurs, on reçoit les cœurs, on continue à partager dans les groupes, dans les WhatsApp, dans les inbox, un peu partout. Kabeno, Ben Kaboula, Map, Mepeba, Kouyiri, donc, Kouyiri. Yiri, match ma tambi, ça m'a beaucoup de niveau, donc, ça m'a tout pour ça. Pota tout à, mia ming tout à, kamita tout à la. Connectez-vous. Ah ouais. On partage le show, les gens, on partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Une minute. Tambo tu batika. Zobanda kalamingite. Zobanda kalamingite. Y'a pas assez de partage là. Ah, tatanza. Vous êtes sur One Man Show. Amène nos poètes de l'imbo. Ah, vous le zagalez. Amène nos poètes de l'imbo de Kapi. Ah, amène nos poètes de l'imbo. Partagez. Oh, bah, kanji. Donc, nous sommes à 43 secondes. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show, les gars, Kabeno Ben Kaboula. Makila Mabe, à côté secteur. Aruyiria. Alexandre Sisse, what's up, Aïdion. That's 6 seconds, it's going down, people, let's go. Vous êtes sur One Man Show. On fire tonight. Going down, yo. Connectez-vous. Get ready for Rambo, yo. Going down. 14 secondes, it's going down, people. 14 secondes. Vous êtes sur One Man Show. 5 secondes. Yolo. Yolo. Bon. Ah, kumakoku yiri. Tomoro ya. Pas mal de messages, les gens. Pas mal de inbox. Pas mal de WhatsApp. Pas mal d'un peu de tout, quoi. On a mis le volume. Donc ce soir particulièrement, comme d'habitude, nous allons survoler nos chroniques, hein. Notamment, il y aura la séance des indignations, pour ceux qui veulent s'indigner. Et nous apprenons aussi pas mal des nouvelles, hein, un peu par-ci, par-là. Que voilà, il y a un de nos frères qui a été arrêté, tout ça. Donc, nous allons parler aussi. Hein. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment pas de... je me suis renseigné, j'ai un peu des messages un peu confus, hein, ambigu. Il a été arrêté, il n'a pas été arrêté, ainsi de suite. Donc, on va un peu en parler conditionnel. Avant tout. Mais, comme d'habitude, hein, nous avons ce soir ce sujet-là, les dérives d'un pouvoir complexé au Congo-Brazzaville. Hein. Notamment aussi, nous allons, comme je vous ai dit, nous allons survoler cette actualité-là. Notre frère Dangui, hein, Chris Bellevie, hein, présumé arrêté par la police de la dictature au Congo-Brazzaville. Nous allons un peu voir qu'est-ce qu'il y en est, si pour ceux qui ont des informations... sûr que c'est confirmé. Nous aurons deux choses à dire, donc n'hésitez pas de communiquer, soit inbox directement ou envoyer des photos pendant que nous sommes live. Bon, pour ceux qui reviendront suivre le show, sachez que j'ai mis toujours un annoncé là-bas que c'est une rediffusion. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par nos chroniques du net. Hein. On va commencer par notre belle page que vous connaissez là, hein. Page APS TV, Yamasolo. Donc c'est là qu'on publie toutes les choses là, toutes les mauvaises choses des gens là.
Hein, c'est ici qu'on publie ça. Donc, nous allons plutôt mettre ça ici. Voilà. 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 Bon, mettons ça ici, c'est mieux. C'est en grand caractère. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans nos publications? Naturellement, quand vous vous abonnez sur la page, je regarde mes notes. Naturellement, quand vous avez arrivé sur la page, vous avez, voilà, vous avez tout ça, les budgets de PSTV, donc le générique qui passe, devenez sponsor, faites des dents et tout ça. Et vous avez voilà, l'emblème de la cartographie, donc la carte du Congo Brazzaville. Donc c'est la chaîne de la, enfin, c'est la page de la presse écrite. Et quand vous vous abonnez là, vous pouvez venir sur publication. Donc sur les publications, vous avez tout ça. Donc on va un peu commencer soft, on va un peu commencer doucement avant d'aller de monter en crescendo là, avant de monter déjà hein, en haut là-bas. Vous savez, quand on monte là-bas, on est déjà fâché parce que nous sommes 92% et nous sommes indignés. Donc il n'y a rien à faire. Faut pas venir nous chercher des noises ici. Donc on a d'abord ici le classement Afrique, hein, pays où l'on consomme le plus d'alcool en 2019. Donc, où on a consommé le plus d'alcool en 2019. L'OMS a donné le classement des pays alcooliques. Hein. Donc, côté là ou là-bas. Où, parce que vous savez, chez nous là-bas, chez les primitifs, il paraît, maintenant, pour avoir, avec 1000 francs, tu as 3 bières. Donc, on leur dit, bon, mais là-bas, Donc, l'OMS, donc, nous avons le Gabon. Hein. Ils sont en première position. Hein. Pole position, le Gabon. Nous avons le Cameroun. Nous avons le Nigeria, hein, nous avons Ouganda, nous avons l'Afrique du Sud, Rwanda, Congo-Kinshasa, Angola, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire. Donc l'Afrique a combien de pays? C'est le pays là où on parle français aussi. Hein, chez les Bantous. Des Soulards. Ah là là. Donc on continue. Vous avez... cet article-là, on ne va pas trop suivre tous les articles-là sur PSTV News. Nous allons aller plus aussi voir aussi des images de ce qui se passe de chez les primitifs là-bas, de ce qu'ils ont fait récemment, hein, ces primitifs-là. Voilà. Vous avez cet article-là. Allez-y, je ne vais pas tout lire, allez-y regarder. Vous avez aussi cette publication-là. Le ministère congolais des télécoms, hein. Votre gars là, le fameux Atala Kula, qui faisait du bruit sur Internet, qui est devenu ministre de télécommunications, qui n'a pas de, voilà, de savoir-faire en la matière. Hein, donc, allez-y lire son article. Nalingna Pesa, comme on a été. Pesa Gasté. Donc, nous avons aussi la coronavirus. Hein, coronavirus. Hein. J'ai publié quelque chose, une photo tout à l'heure, pour savoir si... le CHU ou l'État congolais a les dispositions nécessaires pour faire face à ces épidémies-là. Et j'ai toujours levé l'équipe, j'ai toujours soulevé le grand point ici-là concernant les épidémies qui sont au pays, au Congo-Brazzaville. Et on ne fait pas souvent attention à ça. Bonsoir, Monsieur Pierre Lenoir. Bonsoir. Et ces épidémies-là, et là, on retrouve maintenant un autre genre d'épidémie qui vient de Chine là-bas. Comme les Chinois sont rentrés là-bas nombreux, chez nous même, le contrôle de visa, ça ne se fait pas. Oh là là. Donc, on demande aux gens à la prudence, hein, à la prudence. Donc, cet article dit ceci, hein. Un médecin meurt en soignant, donc tout ça, allez-y regarder ça, j'ai fait ça passer hier. Et notamment, aujourd'hui aussi, nous allons parler spécialement, peut-être pas spécialement, mais d'Angoualima. Vous connaissez Angoualima, donc il y a ce scandale-là, voilà. C'est quoi déjà ça dit ici? La Société nationale de pétrole congolaise souffle un nouveau scandale de corruption lié au gérant du rang au pouvoir. Hein? Nous allons aller voir ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça dit ce scandale-là? On va aller chercher ça. Hein? Voilà. Écoutons voir. 3 millions de dollars pour des ventes de pétrole équivalentes à 5, voilà,
En 7 ans, de 2012 à 2018, la SNPC n'a quasiment versé aucun dividende à l'État et n'a réalisé que des bénéfices modestes, à peine 123 millions de dollars, pour des ventes de pétrole équivalentes à 5,7 milliards. Pire, sur la même période, la dette de l'entreprise a augmenté de 741 millions de dollars. L'endettement est d'ailleurs une spécialité à la SNPC, 3,3 milliards de dollars au total, si l'on additionne les sommes dues aux compagnies pétrolières et celles dues aux banques. Et Brazzaville qui n'en a pas terminé avec les révélations sur les dettes cachées, l'ONG Global Witness vient en effet d'analyser les comptes de la SNPC, la société pétrolière congolaise. Oui, des comptes que la société a rendus publics, hein, c'est ce qu'exigeait le FMI en échange de la reprise de son aide. Et l'analyse de ces comptes révèle une dette adossée au pétrole de 3,3 milliards de dollars contractée auprès de compagnies pétrolières étrangères. Une dette qui est différente de celle due par l'État congolais aux traders pétroliers Trafigura ou encore Glencore. Elle risque donc à terme, selon l'ONG, d'alourdir la dette publique du pays. Olivier Roger. Sommée par le FMI de publier ses comptes, la SNPC vient de révéler au grand jour l'étendue des carences de sa gestion, à tel point que l'ONG Global Witness, qui a analysé les données publiées, qualifie le mastodonte pétrolier de véritable boîte noire. En 7 ans, de 2012 à 2018, la SNPC n'a quasiment versé aucun dividende à l'État. Donc là, on va nous parler du FMI qui va pas tarder. On va nous parler de beaucoup de choses. Hein. Vous voyez que vous-même, que c'est la même rengaine de jour en jour. Donc c'est des choses, hein. Ils font que sortir des choses là-bas pour que nous on parle tout le temps. Après, ils viennent encore dire aux choses, aux gens que non, les gens de la diaspora parlent tout le temps, les gens de la diaspora en tête les autres. Mais il y a des choses comme ça. Bon, est-ce que là c'est nous là. Il n'a réalisé que des bénéfices modestes, à peine 123 millions de dollars, pour des ventes de pétrole équivalentes à 5,7 milliards. Pire, sur la même période, la dette de l'entreprise a augmenté de 741 millions de dollars. L'endettement est d'ailleurs une spécialité à la SNPC, 3,3 milliards de dollars au total si l'on additionne les sommes dues aux compagnies pétrolières et celles dues aux banques. Global Witness révèle aussi que les compagnies étrangères ont pu facturer librement des prestations qui n'avaient rien à voir avec les... Bon, quand c'est comme ça là, ils ne vont pas l'attaquer Global Witness. Ils vont commencer à dire aux gens, oh banawana, oh les gens de la... Mais allez-y porter plainte à Global Witness, allez-y. Les frais d'exploitation pétrolière. Car l'État congolais n'a pas toujours fait son travail de vérification, souligne l'ONG, le dernier audit pétrolier remontant à 2005. Global Witness estime que le FMI devrait inclure la dette de la SNPC dans le montant global de la dette publique congolaise, ce qui ferait bondir celle-ci de 30%. Olivier Roger, vous écoutez RFI, cette Afrique Soir, les 18h passées de 44. Donc c'était passé sur RFI. Tosui Masolo. Hein? Maintenant, vous voulez dire quoi? Que c'est nous? Oh, banawana. Voilà, des scandales, là, encore des scandales, hein. Ce sont les mêmes, là, qui veulent parler de dialogue. Ce sont les mêmes, là, qui sont en train de préparer les élections. On a parlé de confiance ici. Est-ce que des gens comme ça, on peut les faire confiance? Hein? Oh! On va plutôt continuer ma solo. On va revenir sur ça tout à l'heure. Comme vous savez, je suis dans le monde des primitifs là-bas. Là-bas, c'est un monde de complexés. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le show de ce soir, on va parler des complexés. Hein. On va parler des mondes complexés. Comme vous pouvez le remarquer ici, à l'image, on va grandir. Hein. Vous avez là un bus. Un bus de transport, déjà, quand vous voyez les bus de transport au Congo, déjà, vous savez, déjà, ça reste à désirer. Hein, ça reste à désirer parce que les bus au Congo, là, un pays pétrolier, vous voyez déjà le genre de bus. Hein, c'est ce qu'on appelle communément YAS, hein, Coaster. Il y a une particularité sur ce truc-là. Attendez, je vais télécharger la photo. On va zoomer la photo, bien comme il faut. On va la télécharger d'abord, on va la zoomer. Voilà, mais je la mets où là déjà? Voilà, je la mets là. Dans ce. Je la mets ici. Voilà. On la met là. Comme ça, vous allez lire bien un peu l'écriteau là. C'est du lourd. C'est-à-dire que les gens là, ils sont terribles. Voilà. La photo est là. Nous allons la zoomer bien comme il faut.
Il y a une particularité sur cette image-là, sur cette photo-là. Vous voyez ce qui est écrit dessus. Wamba, fils de l'homme valable. Donc ça veut dire tout simplement que donc ça c'est un laissez-passer. Donc le laissez-passer là, ça veut dire la police doit pas te déranger, ça veut dire tu payes pas les impôts, ça veut dire tu fais donc ça peut dire aussi donc lui il déverse son argent sûrement chez lui là-bas ou c'est un groupe, je ne sais pas comment c'est. Donc ça c'est une preuve d'anarchie totale au Congo Brazzaville. Faut pas venir dire ici oh, que c'est moi tout ça là. Non non. Les amis ne moquent. Voyez, regardez vous-même. Vous êtes témoin. C'est là. Yangoyo. Valable. Donc, laissez passer. Wamba, c'est le fils de M. Sassou. Ah, ben, tout va compliqué, n'est pas mon âme. Vrai compliqué, nous, mon âme, non. Je vous trouve très compliqué. Hein? Continue, nous allons faire un tour sur autre sorte aussi en même temps. Ça, c'est quel article déjà? Donc ça, c'est, je ne sais pas si c'est un feu semblant, hein, je ne sais pas si c'est un feu semblant, mais j'ai reçu ça dans les dépêches de Brazzaville. Hein. Là, on ne voit pas bien, je suis obligé de... Les dépêches de Brazzaville disent ceci, le Congo envisage des mesures contre le coronavirus. Ils sont bizarres les gens là, quoi. Donc, hein, ils envisagent des mesures contre le coronavirus. Hein. Le CHU, là, c'est pas la peine. Il n'y a que des échoués là-bas, donc des gens qui ont des faux diplômes. Des médecins, on ne sait pas qui c'est là-bas. Donc, vraiment, hein, je vous dis que là-bas, c'est un monde de fous, hein, un monde de primitifs. Vraiment. Donc, on avance au fur et à mesure jusqu'à notre sujet là-bas, hein, le sujet des fous là, Vous savez que ces gens-là sont des fous. Hein. C'est des fous. Avant d'aller plus loin, je voudrais lever l'équivoque parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on blague ici-là. Il y a pas mal de choses de religieux là qui se passent un peu partout. Ça commence à fatiguer les gens. Hein. Moi, à chaque fois que je suis sur Internet ou sur WhatsApp ou sur Facebook, un peu partout là, Voilà ce que moi je reçois. Hein. Voilà ce que je reçois. Hein, voilà ce qu'on reçoit nous autres là. L'image que vous les pasteurs et les prêtres là vous nous donnez quoi. Hein, dans vos églises là. Il n'y a pas de différence entre ça et les boîtes de nuit. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Regardez-moi ça. Parlons sérieusement. Est-ce que toi, tu es un homme, tu es un être humain? Est-ce que tu peux prier dans ces conditions de bruit-là? Est-ce que c'est la seule place où que tu vas rentrer là-dedans, dans ces salles-là, appelées communément église de réveil, que moi j'ai surnommé église de sommeil? Est-ce que c'est spécialement là-dedans que tu vas parler à Dieu? La Bible l'a dit ceci. Celui qui veut parler à Dieu rentre dans sa chambre et se confie à son Dieu. Mais chez vous là, c'est devenu... Oh là là! Même les prêtres s'y mettent. Vous regardez. Tant là, yokazo betalo kote kuna somona somon. Donc on appelle ça la louange. Ils disent qu'ils dansent pour le Seigneur. C'est ce qu'ils disent. Donc là-dedans, là, il y a des femmes qui ont laissé leur foyer, leur machin. Mais donc, je vous dis que c'est vraiment de là. Ça, c'est le prêtre. On passe, parce que ça ne sert à rien de commenter toutes ces choses-là. Ces bévues-là, ces bavures-là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous allons un peu survoler la culture, hein, parce que il y a un truc qui me depuis quelque temps, je pense à quelque chose. Hein. J'entends parler le peuple bantou, le peuple ceci, cela. J'ai commencé à cogiter.
Mais le peuple bantou, c'est comment? Et je vois, il y a le lari, tout ça, les peuples bantou ont des langues et tout ça. Mais je me rends compte que finalement, voilà, le peuple est bel et bien là. Je me pose la question, il y a quoi? Mais est-il que le peuple bantou parle beaucoup de langues, peut-être le lari aussi? Il y a un monsieur, un jeune Congolais, qui est passé, Afrique possède un talent. Il a fait un truc R&B là, les gens. Je ne sais pas si d'autres ont reçu ça sur WhatsApp, hein, ou sur YouTube. Mais en tout cas, moi, j'ai reçu ça. Ça vaut la peine de vous montrer ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Moi, j'ai kiffé. Hein. Il chante dans nos langues vernaculaires congolaises, le lari. C'est pas mal pour vraiment une adaptation R&B, quoi. On écoute. Hein. Zebele tunganen jeti mona mona keti lembo jata Mesomani mamweni mina mina keti lembo mona Mokomani mashimbi di bina bina keti lembo shimba Meni twani mweni mina mina keti lembo mona Zebele tunganen cheti mona mona keti lembo jata Mesomani mamweni mina mina keti lembo mona Mokomani mashimbidi bina bina keti lembo shimba Mbeni twani mweni mina mina keti lembo mona Oh 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 Do 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 wane newe Makanda mabanzo mamingi me Samu biaga choto bia bingi de Makanda mazaicho mamingi me Do 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 Makanda mabanzo ma Samu biaga choto bia Oh makanda mazaicho mamingi me Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. On lui souhaite bonne chance à ce jeune talent congolais. Hein. J'espère qu'il a gagné là-bas. Donc, nous allons rentrer un peu vite fait dans ce topic-là avant de faire le tour de tout ce qu'on va... Parce qu'on ira sur WhatsApp tout à l'heure. On va pas recommenter cette histoire d'Angualimala. Et nous allons un peu survoler ce topic-là. Ce jeune qui a été arrêté, d'après ce que j'apprends, hein, d'après ce que moi j'ai appelé un peu, j'ai reçu... des messages sur WhatsApp, je me suis documenté, j'essaie d'appeler tout le monde, hein, pour en avoir le cœur net. Voilà pourquoi j'ai marqué ici au conditionnel, présumé arrêté par la police de la dictature. Hein. On n'a pas arrêté ici de crier, de parler ici, qu'aujourd'hui ce n'est plus un combat de la dictature en tant que telle. Hein. C'est un combat de génération. Là, ce qui se passe, c'est par hasard ou quoi que ce soit, M. Sassou l'a arrêté là. Ils les ont arrêtés là-bas, donc la dictature là. Ça devient maintenant, ils s'attaquent maintenant à nous. Donc M. Sassou, Nguesso a changé de combat, de stratégie. Maintenant, c'est aux jeunes comme nous qui s'attaquent. Et ces jeunes-là, ce sont les enfants des femmes. Comme eux, comme nous tous, ce sont des enfants des pères, comme eux. Bon, moi j'aurais compris que ce gars-là, il a eu un petit souci. Soit disant, j'apprends, je lis un peu partout là, que voilà, il critique le pouvoir. Mais tout ce que lui, il dit, tout ce qu'il dit lui, il le fait publiquement, au moyen de son téléphone. Donc, nous savons quasiment tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dénonce. Il ne se cache pas, il dit en public à tous ceux qui veulent entendre. Donc, ce qu'on aurait fait, on l'aurait convoqué. On leur envoie une convocation, on fait ça, on vous attend, on veut vous entendre pour tel motif, tel motif, tel motif.
On veut faire la justice en même temps, on veut faire la dictature en même temps. On est confus, quoi. Cet enfant-là peut être leur petit-fils. Hein. Donc, moi, je vais attendre 2 jours. Parce que j'ai appris qu'on ne l'a pas arrêté, j'ai appris que c'est une fausse nouvelle et tout ça. Nous allons attendre 2 jours. Que le gouvernement congolais, ou je ne sais pas, la police congolaise, là, ou que la justice congolaise, nous vienne avec une publication suggérant que M. Ndongi a bien été arrêté. Maintenant, si par exemple il n'y a pas de publication, qu'on constate seulement sa disparition en termes d'enlèvement, nous allons porter plainte ici aussi, aux droits des hommes. Mais vis-à-vis. Hein. Parce que là, c'est un jeune qui s'indigne. Hein. Et celui-là, ce jeune-là, est le fruit de votre barbarie. C'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez créé nous tous là. Les mamans indignées, c'est vous. Et c'est vous qui prétendez encore instaurer la justice, de l'injustice, justifier dans la justice de l'injustice. Moi, je n'ai pas la bonne nouvelle, la bonne information. Mais, nous avons appris. Mais je ne pense pas que il va être un autre Kalakala, hein. Un autre Apanga. Parce que c'est trop. Hein. Il y a trop de jeunes qui sont arrêtés pour rien. Si on regarde bien, s'il faut le juger, il n'a tapé personne. C'est pas quelqu'un qui avait des armes. Il parlait. Et il parle. Comme nos arrière-arrière-grands-pères. Comme nos grands-pères. Comme nos grands-parents, ils parlent. Quand je vais sur YouTube, là, quand je vois les discours de M. Sassou, il parle quand la démocratie est ceci et cela. C'est triste, quoi. C'est vraiment très triste, hein, de voir ça. Aujourd'hui, dans certains pays, on se retrouve avec des professeurs, hein, et des élèves qui sont devenus très violents. Tout ça, c'est nous avons des politiques archaïques qui n'ont rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. De poignard. Regardez ce qui se passe dans certains pays. Je n'ai pas vu. Sac je ne sais pas si c'est au Congo, je ne sais pas si c'est où, mais c'est vraiment, voilà. De poignard n'est pas le butin récupéré sur des bandits de grand chemin. Oh que non, ce sont des outils dangereux qui appartiennent bel et bien aux élèves. Ils ont été récupérés après la tournée hebdomadaire du surveillant de secteur. C'est ainsi que certains apprenants frustrés règlent leur compte au corps enseignant. Voyez-vous des armes blanches que nous arrachons chez l'enfant, n'est-ce pas? Ils apportent ces armes blanches pour menacer les enseignants, des surveillants généraux et même des surveillants de secteur. Lorsqu'ils prennent des stupéfiants, ils veulent absolument faire du mal. Parce qu'ils sont dans un état second. Et qu'est-ce qui peut bien justifier une telle violence vis-à-vis des enseignants? Mais les cas de violence les plus récurrents concernent la discipline. C'est-à-dire quand nous voulons amener l'enfant à se conformer au règlement intérieur, ça peut être sur sa tenue physique, ça peut être par exemple cette catégorie d'élèves qui refusent de faire le ménage. Et au moment où on leur demande de le faire, devant leurs camarades, ça ne passe pas, ils n'acceptent pas. Pour venir régler le compte d'un encadreur qui a peut-être traduit, n'est-ce pas, un enfant au conseil de discipline, ils viennent même avec ses armes blanches au conseil de discipline. Lorsqu'on essaie de les exclure, ils brandissent ses armes. Alors il faut être habile pour les arracher. Donc c'est le paradoxe, parce qu'en dehors des enseignants, il y en a qui sont plus forts, qui sont plus agressifs, qui agressent même les camarades. Et ça, nous devons d'encadrer tout le monde, d'assurer la sécurité de tout le monde. Le comble parfois, c'est l'attitude de certains parents qui, au lieu de dénoncer, protègent plutôt leur progéniture au détriment des autres élèves. Par exemple, si on traduit un enfant au conseil de discipline, peut-être le parent va se mettre à contester la sanction
du conseil de discipline. Bah, lycée Leclerc, André Fouba, Fouda. C'est ce que nous déplorons dans nos milieux. Pour apporter une solution à ce type de cas, la compagnie de sécurité des établissements scolaires et universitaires a été créée. Agression physique ou morale, les enseignants ont le devoir, malgré tout, de transmettre les connaissances aux apprenants, mais dans un cadre serein. Et c'est le minimum requis. Ce sac rempli de poignards... Comme vous pouvez le constater, dans cette lutte-là, tout est atteint. Les libertés, tout. Ce jeune-là, Ndongi, qui est allé en prison, avec des câbles un peu partout dans le pays, il va falloir trouver des solutions radicales et draconiennes. Mais nous allons évoluer. Avant de revenir dans notre sujet là, vite fait, parce que je ne vais pas essayer de mettre du temps, je vais essayer de couvrir un peu le temps pour ceux qui veulent s'indigner ou ceux qui veulent qu'il y ait des vidéos et qui passent tout de suite ici là. On va le faire parce qu'on a, on prend un peu plus de temps ces derniers temps. Donc on va écouter un jeune, hein. René il s'appelle, on fait sa publicité, un jeune du Congo-Brazzaville qui nous donne un peu une leçon voilà, de musique dans ce qui se passe un peu dans la société congolaise. Ensuite, on revient pour attaquer notre sujet du jour. Donc, ce sujet-là, bien sûr. Hein. Sujet Oyo, Tozo Zongelango. Oyo, Oyo, Tozo Zongelango. Tozo Yaruta, la sujet Oyo. Donc, on a que ça va image, mon roboyé. Yamabe, mabe, mabe. Donc, on va suivre cet extrait. On revient après l'extrait. Vous êtes sur One Man Show, écoutez-vous. Donc c'est Niso est sur la place les gars. Yeah. Exclusif de Brazzaville Congo, Niso. Mister Wiz Bomaye. iPhone 11 Ali Giba Somba. Tendai Maboko Bank, Mamadou Arisho, Toy Koza, Willy Tati l'Apocalypse. Moi, je suis un peu plus de poche.
l'industrie ma gueule. PNC, PNC, MB Productions, mon commandant, Kamaz Mokuba. Nizo les gars, Nizo, 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 Nizo. Ah, c'était Nizo les gens, c'était Nizo. On aime ça là, on a ma petit nabiso en boca, ba yanke nabiso, donc on les promouvoit un peu dans la musique et tout ça. C'est la jeunesse et tout ça, vous savez comment c'est hein. Donc des fois c'est bien toujours banamike ba beta mona ba kolope ba binaka. Donc nous allons entrer dans notre sujet de ce soir hein, le sujet phare de ce soir. Les dérives d'un pouvoir complexé, hein, parce que c'est des vrais complexés, vous savez, c'est des complexés. Seul un complexé peut se prendre pour quelqu'un d'intelligent. Hein. Seul un complexé n'écoute pas, seul les complexés sont des têtus, vous savez. Donc, malheureusement, en dépit de tout ce qui se passe dans notre pays, nous avons de plus en plus, hein, jour pour jour, entre ce qui se dit, entre les discours qui se disent au niveau de la toile, entre ce que, de quoi on parle au niveau de la politique, vous allez remarquer que il y a un décalage, mais incroyable. Bientôt, je pense que même au Congo-Brazzaville, là, ils vont commencer à ravir les téléphones des gens, si ça ne se fait pas déjà, quoi. Parce qu'il n'y a aucune journée qui passe qu'on ne puisse pas recevoir les images du Congo. Et il y en a celles qui nous disent que voilà, au Congo, tout va bien. Regardez ça. Regardez ça. Que Dieu bénisse l'ingénieur Le Congo. Et que Dieu te bénisse quand tu me suis en ce moment. God bless you. Thank you, thank you. Ah, mon Dieu. Ça, c'est la capitale politique du Congo, Brazzaville, qui, ancienne fois. Vous voyez autour, là, il y a des bidons, des espèces de trucs et tout ça. Vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? C'est pire qu'une bombe. Ça, c'est un harem d'épidémies qui ne vont épargner personne, qui que tu sois. Ça, ce que vous voyez là, ces eaux là, ces voitures qui roulent là, dans les eaux. Vous savez, dans les pneus, au niveau des systèmes d'engrenage, pour faire rouler un engrenage, il faut qu'il y ait un bon frottement. Et ces engrenages-là, pour qu'il y ait un bon frottement, sont utilisés par des huiles, hein, pour les dégraisser, pour que ça soit plus fluide. Et ces huiles-là, c'est des huiles à hydrocarbures. Mélangées avec tout ce que voient ces hydrocarbures-là, qui vont aller s'entasser quelque part, et les poubelles qui sont autour, c'est aussi des épidémies. On doit avoir déjà des épidémies qu'on ne soigne pas déjà dans le pays. Les eaux, les pluies, mon gars, les gens, ça veut dire que vous, hein, vous ne réalisez pas que nous avons affaire là à des complexés vraiment notoires. Hein? Vraiment notoires. Parce que ça, ça dit que ça, même s'ils ont des armes, comment? Même s'ils décident de faire la guerre, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas combattre avec les armes. Parce que les morts, la guerre et tout ça, ça apporte aussi des épidémies pour rien. Pour rien.
Vous savez, quand toi tu es un homme, un être humain ou un éminent, pour ne pas dire un président de la République, tu ne peux pas avoir dans la tête que chez le voisin, on va mieux me soigner que chez moi-même. On trouve des ministres, des ministrants, des députés qui sont complexés de faire montrer aux gens que non, on a voyagé à la porte, on a la kenege mosika. Ils sont complexés d'aller dans les pays des autres. Trouver que c'est bien, prendre des photos et tout ça. Mais chez eux-mêmes, ils sont incapables de copier, imiter chez les autres. Incapables. C'est-à-dire que moi, j'ai vu décomplexé. Mais là, ce que je vois dans le Congo où nous sommes nés là, l'orgueil, l'arrogance, l'ignorance, le mépris, le dédain, l'hypocrisie, le mensonge, l'envie, l'idolâtrie, donc les fétiches. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est tout ce que je vois là-dedans. Donc nous, on dit, est-ce qu'il y a des Congolais qui sont justes ou qui sont épris de justice? Il y a beaucoup de choses à cause de ce complexe qu'ils ont hérité de je ne sais d'où, parce qu'eux, ils viennent de loin, loin, loin. Ce n'est pas des primitifs. Eux, ils sont je ne sais pas où, là. C'est-à-dire qu'eux, là, ils sont là où ils étaient, eux, d'où ils viennent, là, il n'y avait pas d'animaux là-bas, parce que les animaux sont plus conscients. Hein, parce que eux, non. Eux, c'est autre, un autre niveau. Des grammes aussi sous. Là, on apprend que on vient de livrer 200 pick-up pour soi-disant préparer la campagne la campagne électorale de Monsieur Sassou. Donc on est complexé, comme chez les autres, on va faire des affiches, des t-shirts, on va vous donner des t-shirts, on va faire des discours, ça va passer à la télé, après on va faire le président Sassou a été réélu à 99%, entre temps, hein, il y a eu coupure d'électricité, coupure d'internet, donc le même scénario quoi. On apprend seulement que je sais pas combien de milliards ont été dépensés pour ces pick-up là. Donc le complexe de faire comme ailleurs, alors chez nous-mêmes, on n'a pas les moyens de le faire. Et même si on avait les moyens de le faire, c'est même pas primordial. Donc je vous dis les gens, sérieusement, parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent de la diaspora à cause de ce complexe qu'on met dans le pays. Aujourd'hui, moi j'entends qu'on parle de sécession aujourd'hui. Les gens parlent maintenant de la sécession du Congo. Il y a un temps où les gens disaient que ceux-là qui veulent partir de la sécession, il faut les arrêter, ils veulent diviser le pays. Mais je pense que si on est franc, si on est vraiment franc hein, entre nous, hein, si on est franc, c'est-à-dire que c'est même pas question de faire l'hypocrisie. Ceux qui disent que voilà, la sécession, c'est déjà le pays, on va diviser le pays, c'est pas sérieux tout ça, non. Le pays est déjà divisé. Vous l'avez divisé déjà, les vieux là. Peut-être pas en termes de plus visuels, mais en termes de même d'administration. Aujourd'hui, tu arrives au Congo, toutes les administrations là-bas, c'est Mbochi. Pour ceux qui ne connaissent pas les Mbochi c'est une région qui est, c'est une ethnie qui vit au Congo-Brazzaville, qui est une minorité, hein. Une minorité s'il vous plaît, hein. Une minorité, ça faut le dire, hein. C'est la vérité, parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes accaparé de tous les postes de la République, tout. Comme si on se dit que bon, nga mon Congo a commandé nga te, ce que mon Congo a commandé nga. Donc, est-ce que vous pensez que les Bakongo vont toujours accepter d'être commandés par les Mbochi? Les villes vont toujours accepter d'être commandées par les Mbochi? Les villes vont toujours accepter que les Mbochi viennent faire la pagaille chez eux? Les Dondo pareil, les Bakamba pareil?
C'est pas possible. Donc on parle de sécession. Voilà où nous sommes arrivés maintenant. Donc à croire que c'est fait exprès. Et même encore ça, ce que je trouve quand même assez aberrant quand même. Hein. On dit que le Nord là, les Moches sont unanimes là. C'est ce qu'on vous dit, hein, parce que le problème de Bakongo, là, de Larry, là, ça cause un problème aux gens. C'est-à-dire que même si il a rien fait, le simple fait qu'il soit Bakongo, qu'il soit Larry, oh! Oh! Bakongo, boy. Mais quand on commence à parler, Bamboshi, boy, oh! Voilà, les mêmes, ils crient au loup, hein. Oh, c'est cool! C'est un tribal! Là, c'est le tribal! Mais le tribal, parlons peu, parlons vrai. Si c'est pas un complexe là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si c'est pas un complexe, qu'est-ce que c'est? Avec tout ce que vous vous accaparez, que vous engurgitez là, il y a rien que vous puissiez emporter avec vous. Rien. On parle maintenant de sécession du Congo. Un peuple là, je crois que vous le savez, hein, ce n'est pas une question d'armes. Hein. Un peuple, c'est une question de détermination. De détermination. Il n'y a aucune arme au monde qui peut détruire la détermination d'un peuple. Parce que la détermination, elle est génétique. Hein. Elle se transmet de père en fils. C'est génétique. Mais, est-il que on est dans un même espace, 342 000 km², qu'il y en a qui veulent s'approprier de tout. Nous, on n'est pas dans votre politique là, là. Nous, on revendique le droit du sol, hein, le droit de la terre, là où nous sommes nés. Chez nous. Il est hors de question que chez nous là, que je ne sais pas qui, viennent m'emmerder, viennent nous emmerder chez nous tant qu'on ne va pas les emmerder. C'est comme ça. Et partout, c'est comme ça. Je ne pense pas que toi, là où tu es là, toi, le Bokondi, que tu aimerais que quelqu'un vienne t'agresser chez toi. Ainsi que ceux qui travaillent pour le pouvoir. Donc, le complexe de ce gouvernement-là, où on entend arrêter les jeunes, on ne sait même... Oh là 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 là, tabarnakalis. Asti, aussi bueno. Oh là là, Carlos. On va aller sur WhatsApp. Ensuite, on va aller sur la Church Live parce que je sais pas s'il y a des commentaires. Voilà. C'est incroyable, quoi. Mais vraiment, quoi. Incroyable, mais vrai. Oh! Comment? Je vais voir si vous avez laissé des commentaires, parce que je ne vois pas de commentaires. I don't see no comment here, people. Franchement, aujourd'hui, on est mardi. On fait plus d'indignation. Le ras-le-bol de toute la population, quoi. Parce que c'est incroyable. Je sais pas s'il y a des commentaires. Voilà, on va. Ok. Il y a des commentaires, là. On va mettre ça comme ça. C'est incroyable, mais vrai. On va mettre ça ici. It's impossible. C'est incroyable. Donc on va lire, j'ai quelques commentaires là, mais j'aime mieux le faire apparaître sur l'écran. Comme ça tout le monde pourra lire ensemble. Aujourd'hui,
Il y a tellement l'histoire de ce jeune-là m'a rendu un peu triste là. Je trouve ça vraiment mesquin et voilà. Irréfléchi, irresponsable, quoi. C'est incroyable qu'on puisse avoir affaire à des primats, des primitifs, quoi. Des gens qui n'ont pas de vertu, hein. Des gens sans vertu, hein. Des gens sans vertu. C'est incroyable. Des gens sans vertu. Voilà. Bon, on peut mettre une musique de fond. C'est incroyable. Les gens ont des petites vertus. Donc on va attendre 2 jours. Hein. Moi personnellement, je vais attendre 2 jours. Je vais avoir une confirmation que cette histoire est fausse. Sinon, voilà, on va passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas laisser nos enfants voilà, continuer comme ça là tout le temps. Être agressé comme ça pour rien alors qu'ils n'ont rien fait. C'est incroyable. Bonsoir, 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 bonsoir. On va lire ça tout à l'heure, c'est faire le bébé. Je vais mettre une musique de fond là que j'ai reçue sur WhatsApp là, c'est pas mal. J'ai reçu ça sur WhatsApp. Quelqu'un me l'a envoyé, je voulais vous faire partager ça, c'est pas mal. Ciel. Nice. Voilà. Voilà. C'est pas mal. On écoute ça dans la musique de fond. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Oh le bébé. J'insiste, je persiste. Bonsoir et je aux signe. Aux dîmes, fils. Filles et fils du Congo Brazzaville. Ce sont Qui les aiment notre Africains. Congo riche. Bonsoir à toi, Edine. J'insiste, Merci. Je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples. Et les arnaqueurs des gens. Écoute, faudra une loi. Interdisons l'ouverture de ces églises du réveil. Les Somaliens fusillés, Somaliens. Les Rwandais, génocide Rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Ils ne connaissent pas la honte. Les Congolais massacrent les Congolais. Rien à cirer. Allez, Mayala. Les Congolais brûlent l'Angola. Et il y aura la loi de la recombination, non, recombinaison de, génétique. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Prédation. Le cobalt à gogo, le nickel à gogo. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis, la minorité, de mais dominante, ce sont les super Africains. Assassines ont commencé à se bouffer entre eux. Mauvaise gestion, la gabégie, dès qu'ils perdre le pouvoir, ils ne pourront plus jamais le rattraper. Mais oh là là.
Là, c'est l'indignation de Christian. Christian Noah. Bonsoir, moi, Joséphine. Malgré les richesses agricoles, le droit minières et minéralières, nous sommes du droit de sol, le droit du sang, de sang, la légitimité de défense. Et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie. Donc, en fait, quand on peut parler du droit du sol, hein, moi, je trouve ça assez déplorable de voir que nous, on n'est même pas, on peut même pas voter dans les ambassades, quoi. Personne n'a jamais pensé à ça, quoi. On n'est même pas capable de voter, quoi. Donc, on nous a privé même nos droits jusqu'à l'étranger. Dire qu'ils sont même capables d'envoyer des gens pour venir encore nous priver de nos droits à l'étranger, pour venir encore nous... Oh là là. Oh là là. Quel complexe. Quel complexe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens pour élaborer un sujet-là, pour pouvoir en parler en long et en large ici, j'arrive à un niveau où je me dis, mais pourquoi parler à ces gens-là? Parce que c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Nous avons affaire là à quelque chose d'autre. Quelque chose de très étonnant. Hein. Moi, je, jusqu'à présent, j'ai... Oh là là, nafouachikiri. Donc, le micro est ouvert pour les indignations. Le micro est ouvert pour les indignations. Donc, pour ceux qui veulent s'indigner, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire ici, appel. Hein. Et moi, je reçois l'appel. Et je vois le message et je vous appelle. Pour n'importe quelle indignation, parce que Bantouba, en tout cas, la situation là, c'est, voilà. Le débat est ouvert, il faut commencer à en parler, parce qu'on n'a jamais exploré ça là. Le débat est ouvert, hein. Les politiciens congolais sont des ignorants car ils ne connaissent pas la définition de la politique. Ils n'aiment que l'argent facile. Joséphine Bansimba, indignation numéro 1, écrite de la soirée. Ah, couillé, donc, coco. Couillé, donc, c'est devenu chaud, là-bas. Oh là là. Ah, je vais encore provoquer aujourd'hui. Hein? On veut voir les mamous là, les mamous. Oloba Kenyo, mamou, yote. Maman là, vraiment frangé. Oh, il faut vous lever. On doit tous se lever comme un seul homme. Parce que c'est pas possible. Donc, hein, comme on dit chez nous, on l'a rien. Bakeshina, bata bakeshina. Vraiment bakeshina, j'ai. Oh! Des grandes personnes comme nous, nombreux que nous sommes, rien, toujours kokabangote. Pernel, pourquoi le peuple ne se lève pas? Il est condamné qu'il se révolte ou pas. Mieux vaut vivre en luttant que lutter pour vivre. Ah là là! Ah! Les Amabé. Donc les gens, les indignations sont ouvertes. Sinon, si vous pouvez écrire aussi, c'est bon. Ça va pas trop tarder ici ce soir. N'oubliez pas que demain, c'est la dernière chronique avant dimanche. Et la semaine qui commence, là, nous allons avoir aussi des invités. Ainsi de suite, quoi. Le peuple est condamné à se soulever, soit par une sécession, qui serait bien d'ailleurs, hein, parce que je pense que ce serait bien d'avoir ça. J'attends les protagonistes qui en ont parlé. Il y en a dans le show là, on va en parler vite fait, quoi. Ah ouais. Micro ouvert.
Kombona ye nanye, kombona ye. Go vert. Bongo biso to zali banani bandeko, to zali ba kongole. Uzala na yo muteke bandeko, kombona yo kongole. Uzala na yo manyanga, kombona yo kongole. Uzala na yo mumboshi, kombona yo kongole. Uzala libo mbomi taba, kombona yo kongole. Uzala monoko likwala, Nato. Bafili bakuta bakuni, bozali bakongole. Mokili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe. Ah, on attend les indignations. Beto ku Congo batele ta seno kintwadi. Bungu kintwadi ku Congo kakiana kanimba siko. Bayaya ku Congo batele ta seno kintwadi. Bungu kintwadi ku Congo kakiana kanimba siko. Tala tinge nteke kwa ku mbungu ni kongole. Tala tinge mumboshi kwa. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est Jacques Loubello, pour ceux qui connaissent. On va d'abord remettre ça, c'était pas mal comme chanson. Voilà. Je crois que c'était ça. Non, c'est pas celui-là qu'on écoutait, c'est l'autre. J'aime beaucoup ce musicien congolais là, Jacques Loubello. Je trouve qu'il chante bien. Attends, c'était quoi déjà? Téléphone ouvert les gens. Moi, j'ai hâte de voir un mouvement de femmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très lourd à porter, quoi. Pas ce que je vais écouter, moi, là. Qu'est-ce que j'ai écouté tout à l'heure? C'est ça. La Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Kalindiri we mburubasi we Ntilo we saboni monia Basa basa kabalen we Basa basa mayel we Balo On va lever l'encre hein. Zami ba wame Memoutie Mouan gambio. On va lever l'encre. Memoutie. Nous allons lever l'encre. Mouan galie mae Memoutie, Mwanangali Furo, Memoutie, Mwanangsulvio, Kalindiri we Mburubasi we, Ntilo we Saboni Monia, Basa Basa Kabalen we, Basa Basa Mayel we, Balo. On va voir qui est là. Mazuzi keri kiapikana tela makuna nzonje Yeti zebe guani kusese na furu mwele Aya Mazuzi keri kiapikana tela makuna nzonje Yeti zebe guani kusese na furu mwele Kini salapele guani jambu jona yezebe Mungu kini salapele guani jambu jona yezebe Bwisi bujididi Mwete tepe jimone kene Gonda nanga manenza mina uwiri mwangana Tangu ifwe ni njende tina pweti tulu Bwisi bujididiki mwete tepe jimone keneke Gonda nanga manenza mina uwiri Allo. Allo. Bonsoir. Donc nous sommes avec madame Joséphine Bantimba en ligne pour bonsoir, une première indignation de la soirée. Donc à vous. Vous souhaitez vous indigner sur quoi? Bonsoir. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que depuis le temps qu'on parle, tout le monde devrait être attentif et savoir ce qui se passe au Congo. Mm-hmm. Ce que j'ai à dire là,
s'adresse à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise est en train de s'abrutir dans l'alcool. On vous vend 3 bières pour 1 000 francs. Ça, c'est pour vous rendre inoffensif. Ça, et plus à votre souffrance, à votre malheur. On est en train de vous corrompre par l'alcool. Alors, réveillez-vous. Ne laissez pas ce pays-là à ces zombies-là. Ça, ce n'est pas les gens qui peuvent gouverner un pays. C'est des incompétents. On a vu ce qu'ils ont fait. Pour diriger un pays, on n'a pas besoin de ça. Eux, ils sont venus au pouvoir juste pour voler et pour gagner de l'argent. Les ministres gagnent 15 millions. Pendant que le salaire moyen d'un Congolais, c'est 100 000 francs. Vous trouvez ça normal? Mais comment? Indignez-vous pour que les ministres doivent gagner 15 millions. C'est même pas 3 millions, c'est 15 millions. Hein? Les ministres, les sénateurs, et puis le petit voyou du fils. Bouillabaisse. Qui pense que la CNCP, c'est l'usine de son père. Voilà. Comme si son père, quand il est venu au pouvoir, il est venu avec la CNCP. Voilà. C'est ça. Hein? C'était Hydro-Congo, avant ils ont changé de nom. Et aujourd'hui, il va dans le pool. Oui, il va dans le pool pour aider les gens. Mais quand son père bombardait le pool, il était où lui? Ah là là. Il dormait? Il était sous le matelas? Il dormait. Il n'a pas vu, il n'a pas entendu? Il était à Dubaï. Il faisait quoi? Bon, qu'on arrête un peu. Hein. Mais dites-moi, madame Joséphine Mantimba. Les gens du pool, c'est pas du gibier. On voit les images qui arrivent, les gens qui vivent comme des animaux. Mais on est où là? On est où? Vraiment. On est où? Mais qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu de jouer avec les êtres humains. C'est pas normal. Il va voler l'argent. Du pétrole pour aller donner les miettes à la population du pool. Vous croyez que c'est comme ça diriger un pays? C'est des salopards. Et comment? C'est même c'est ça. C'est des ignares. Et comment? C'est même ça. Ah oui. Et c'est des idiots parce que. Ils réfléchissent pas. Et c'est pas des hommes, ça. Mais comment? Ils n'ont rien dans leur culotte. Aïe. C'est chaud. Parce que un homme qui a quelque chose dans sa culotte, qui a une femme, il réfléchit. Les enfants, ils réfléchissent. Eux, ils réfléchissent pas. Aïe. Ils réfléchissent par leur quéquette. C'est chaud ici. Aïe, bébé, caca. Quelqu'un qui réfléchit en bas, il n'a rien dans la tête. Mais comment? Ah oui. Hein. Donc, qu'on arrête de faire souffrir les gens comme ça, comme si le Congo était leur bien. Mais le Congo ne leur appartient pas. Mais nous, si on décide là, ils vont quitter et ils vont monter au nord là, à la nage. Mais comment? Ils ont les armes, attention, ils ont les armes, attention. Mais on s'en fout des armes. Mais pourquoi ils ne mangent pas les armes? Ils ne payent pas les salaires aux Congolais? Pas de pension, pas de bourse. Mais comment? Mais ils achètent les armes. Mais pourquoi ils disent qu'il y a la crise? Puisqu'ils achètent des armes. Aïe. Ils trouvent l'argent. Ah. Pour les armes, là, il y a l'argent. Attention. Non, mais est-ce que le Congo est en guerre? En guerre contre qui? Contre le Gabon? Contre le Cameroun? Contre le Tchad? Contre la Centrafrique? Contre le RDC? Mais dites-moi. L'Angola, peut-être? Mais dites-moi. Que pensez-vous, si ça s'avérait être vrai, de l'histoire de ce jeune qu'on a arrêté là? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Dim Kai? Le Congo, c'est un pays de dictature. Le Congo est un pays de dictature. Et quand on demande aux Congolais de se lever, ils ont peur de mourir. Bon, d'accord, vous ne voulez pas mourir par des armes, vous allez mourir par les maladies. Parce qu'il y a le microbe de la Chine là qui vous arrivera. Le microbe là, c'est ça chaud. Le problème. Je ne vous prédis pas le malheur, mais c'est ça qui arrivera. Parce que vous êtes devenu trop amorphe. Ce sassou là vous a attaché, je ne sais pas dans quel rond-point.
et vous êtes là en train de tourner en rond. Libérez le Congo. Si vous croyez que c'est la France qui viendra se battre pour vous, la France vient pour imposer sa loi pour mettre un dictateur. Mais elle ne viendra pas pour vous sauver de la misère. Ça, vous pouvez toujours attendre 1000 ans. Tous les Congolais vont mourir. Et c'est ça qu'ils veulent. L'Afrique sans les Africains. N'oubliez pas, hein? Écoutez bien ce que je vous dis. L'Europe veut l'Afrique sans les Africains. Donc, c'est compliqué cette affaire-là. Arrêtez de jouer à l'imbécile. Donc c'est un peu ça. Vous allez dire, oui, vous êtes loin, vous n'êtes pas au Congo. Ok, j'entends. C'est difficile d'être sur place. Mais ce n'est pas impossible. Et ceux qui ont fait des révolutions, ils ont fait comment? Ils ont fait comment ceux qui ont fait des révolutions dans le monde? Et le Congo ne peut pas faire une révolution? Vous attendez quoi? Vous avez déjà essayé. Continuez. Pourquoi vous dormez aujourd'hui? Vous laissez nos enfants en train de se faire tuer par ce connard-là. Il y a les Ndengue, les Jidéo. Aïe. C'est chaud. Les Mboulous, tout ce monde-là. C'est le tabac de la même pipe. Mais comment? Oh là là, c'est chaud ici. Hein. C'est ils veulent pas que les jeunes puissent vivre. Voilà. Pourquoi? Eux, ils sont qui? Voilà. Eux, ils sont fatigués. Depuis le temps, ils n'ont jamais travaillé. Ils ne font que la politique. Politique, mon couillou. À part la politique, ils ont fait quoi comme boulot? Il y a des gens qui sont enseignants, qui sont professionnels de la santé. C'est ça. Ils sont quoi? Économistes, eux, ils sont quoi? Hein? Eux, ils sont... À part la politique, ils savent faire quoi? Bon, congé. Non, mais à courir derrière un homme. Mais attendez, vous êtes des hommes, vous? Mais quel type d'homme vous êtes? Vous courez derrière Sassou? Il a quoi, lui? Il a quoi? Vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas vous réunir et lui casser la figure? Ah, il doit être fort, hein? Vous êtes des hommes, vous? Il doit être fort, lui, hein? Il est mais fort, hein? Mais venez-vous! Il doit être fort, hein? Mais c'est pas comme ça! Vous voulez qu'on nous en quitte ici, là, l'Europe, pour venir vous libérer? C'est ça que vous attendez? Commencez d'abord le mouvement et nous, on viendra. Ah là là. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ah, Kouyiri. Ah, indignation de la soirée de Madame Josephine Bantimba que vous voyez en photo ici. Donc, Kouyiri. Donc, c'était chaud ici. Ah, c'est indigné. Hein. Bonsoir, Yvette Monjo. 15 millions de francs CFA à 100 millions. Oh, ben dis donc. Christian Noah, je pense qu'il va falloir aller au clash avec ces primates. Trop, c'est trop. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La primitivité là, les moutantes, mon couillou là, c'est plus bon pour nous. C'est plus bon pour nous. Ah. Bon, je pense qu'on va lever l'encre. Il n'y a plus assez d'indignation. On va mettre une chanson de fond, ensuite on va lever l'encre. C'est ça? Saisissez chaque instant. Donc on va prendre encore quelques 2 ou 3 appels, ensuite on lève l'encre. Hein. À nous revoir dimanche. Donc, non. Faire un petit tuto vite fait. C'est pas ce que je veux écouter, moi. Parce qu'on veut écouter, nous. Bon, on va faire un petit tuto vite fait pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Parce que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que nous avons pas assez d'abonnés sur YouTube. On va arrêter ça. Annulez-moi ça. Bon, voilà. Donc, nous savons que nous avons, en dehors de Facebook, nous avons notre chaîne qui est aussi sur YouTube. Donc, sur YouTube, c'est marqué KI TV, PS TV auprès de vous. Donc, vous tapez sur YouTube, vous allez avoir cet emblème-là, donc cette femme qui est dessus, sur la chaîne KITV sur YouTube.
Vous venez vous abonner ici. Ici, là. Donc, la particularité de cette chaîne sur YouTube, c'est que vous avez l'onglet ici, là. Quand vous venez sur la page YouTube, là, vous avez ici « Faites des dons ». Vous cliquez dessus, mais il faut nécessairement avoir un compte PayPal. Vous cliquez dessus, vous venez sur PayPal. Ici. Mais le même PayPal se retrouve aussi sur Facebook. Hein? Sur Facebook. On va aller sur PSTV. C'est aussi sur PSTV. Donc, quand vous venez sur Accueil, sur la page de PSTV, là où nous sommes, suivant les... Si vous n'avez pas l'onglet au niveau de YouTube, vous pouvez le revoir ici, sur l'accueil. Hein. Vous avez l'onglet PayPal aussi sur Facebook. Donc, c'est le même onglet ici et là. Donc, vous cliquez là-dessus, ceux qui sont sur YouTube ou si vous êtes abonné. Vous venez là, vous avez un compte PayPal, vous pouvez faire un don. Les dons, c'est à partir de 1 euro. 1 euro. Et par ricochet... Juste à côté de l'onglet, vous avez cet onglet-là. Ça vous ramène sur le site où nous avons nos t-shirts PSTV. Et notamment les 92%. Donc, vous en avez pour toutes les couleurs, tous les choix, tous les goûts. Vous avez aussi ce style-là. Ça. Notamment, vous avez des tasses aussi. Vous avez des coques de téléphone aussi. Tout est là. La collection... One Man Show. Et si vous revenez sur l'onglet, vous allez plus loin. Vous allez avoir l'onglet aussi où il y a les t-shirts et les draps et les sacs des 92%. La collection 92% est prix de justice. Donc vous avez cette collection-là. Ça vient là. Vous avez un peu de tout ici. Hein. Vous avez des coques de téléphone aussi, 92% de toutes les couleurs. C'est quand vous commandez, c'est maximum 2 à 3 jours ouvrables. Hein. Vous avez aussi des tasses. Vous avez des tasses, vous avez des sacs aussi. Comme vous pouvez le constater, vous avez des sacs. 92% c'est le sac. Vous avez des sacs. Vous avez des thés d'oreiller. Il y a pas mal de choses à voir là. Donc vous avez aussi, ça c'est l'iPhone. Ça c'est un téléphone normal. Vous avez tous les choix. Vous commandez et vous avez votre truc chez vous. Sans problème. Voilà un peu. Nous allons lever l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat live? Victor Matondo Nziki Mawungu, merci de participer. Atayi Kanimbotezaku. Donc, sur la page YouTube, si vous avez raté des vidéos hein, sur Facebook ou quoi que ce soit, vous pouvez les avoir ici. La même vidéo qui est ici en ce moment, c'est la même vidéo qui sera sur YouTube dans quelques secondes. Et vraiment, il faudra inciter les gens à s'abonner là-dessus. Parce que là, on est encore à 620 abonnés. C'est pas possible parce que normalement, je ne peux pas faire des lives ici tant qu'on n'aura pas au moins 1000 abonnés. Pour pouvoir, pour pouvoir faire des lives en simultané, quoi. Ça serait bien, vraiment. Qu'il y ait au moins 1000 abonnés. On est quoi? On est encore à 620, donc il ne nous reste pas beaucoup pour faire 1000 abonnés. Ça serait bien. Que chacun puisse référer aussi cette chaîne-là auprès des autres téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on me dit sur la chat live, là? Qu'est-ce que j'ai sur la chat live? Lucien? Je pense qu'il va falloir aller au clash avec ces primitifs-là. Ah oui. Je crois aussi. Ok. Nous allons lever l'encre. J'avais pas mal de choses à dire là, mais les gens, mais je suis un peu, voilà. Un peu fucked up, découragé un peu de tout ça. Levons l'encre. Ah, les femmes, je vous ai pas oublié, hein. Oh là là, je viendrai toujours vous provoquer de temps en temps. Et t'as la gangate. Ah ouais, my sister. Je viens
venez toujours vous provoquer les femmes tout le temps. Une semaine après, je passe provoquer un peu. Vous êtes sur One Man Show. À présent, on ne voit rien là, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Connectez-vous. On ne voit rien là, hein, les sœurs femmes là, on ne voit rien. Vous êtes sur One Man Show. Tout le monde est à l'autre côté. Allô, ma femme. Connectez-vous. Donc le 9, nous avons un invité de marque, le 9 février. Mais avant le 9, nous avons aussi des invités. Donc dorénavant, nous allons avoir les invités. Vous êtes sur One Man Show. Ceux de l'extérieur, ce sera juste à partir du vendredi, samedi, dimanche. À partir de 15h. Je cherche le moyen de changer les horaires là, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous êtes sur One Man Show. Pensez à faire les dents, pensez à acheter les t-shirts, les gens. Connectez-vous. On doit renouveler la plateforme là, on doit renouveler le matériel informatique. Important. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Vous êtes sur One Man Show. Prochain live. 92% des Congolais pris de justice. Le prochain live, c'est dimanche à partir de 20h, heure de Paris. Donc dans la semaine, je vais changer les horaires. Et puis lundi, mars, trois jours de choses successives, dépendamment des informations que nous avons en notre possession. Connectez-vous. Donc nous allons attendre deux jours, avant de lancer la lettre face à notre frère qui était arrêté, soi-disant par la dictature. C'est pas évident. Right, people? Merci encore d'avoir participé. Karim Nussar, merci d'être venu dans le show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc n'oubliez pas aussi de suggérer les heures qui conviennent au public. Comme ça on va essayer de caler un emploi du temps avec tout le monde. Connectez-vous. Moi je propose 21h30 à peu près par là. Le dimanche, le lundi et le mardi. Vous êtes sur One Man Show. Je propose 21h30. Si cela arrange tout le monde, j'ai besoin d'avoir des messages inbox quoi. Des messages inbox. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Donc les gens, merci beaucoup. Pensez à faire des dents les gens s'il vous plaît. Pensez à faire des dents. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, la chaîne de Congolais les gens. Peace out. Connectez-vous.